Un an sans escargot en chocolat, c'est long. Long comme la file d'attente qui s'étire déjà à 9h30 devant la chocolaterie des Ducs de Bourgogne. Véronique voulait être la première. Bah pour avoir des escargots, c'est la tradition. Puis après, il n'y en aura plus, alors. L'année dernière, on n'en a pas eu déjà. Bah écoutez, j'ai fait une petite réserve à la fermeture. Voilà, ça n'a pas trop manqué. Petite dégustation offerte par le directeur René Loquet en personne. 10h, c'est la ruée vers l'escargot doré. Ces chocolats, héritiers de l'an 20, sont fabriqués ici depuis 1934. Un produit phare sur lequel des dizaines de clients se précipitent pour remplir leur panier à ras-bord. Vous pensez que vous en aurez combien de kilos là ? Il y en a 9, 11. 11 kilos ? Oui, 11 kilos. Tous les ans, on venait et quand on a vu qu'elle était fermée, on peinait, mais là, ça y est, c'est bon, c'est reparti. Une joie enfantine se lit sur les visages des acheteurs comme des salariés. J'ai quand même été 20 ans dans l'usine, j'ai été licenciée, j'ai retravaillé là, j'ai été relicenciée. Donc, puis repartir avec Monsieur Loquet, très contente. On espérait avoir ce monde-là, mais on n'était pas certain. Et comme je le répète à tout le monde, c'est pour moi un acte vraiment d'amour. Et on nous le manifeste sur les réseaux sociaux. Premier pari réussi pour le directeur qui a déjà embauché une dizaine de personnes et investi 600 000 euros. Il espère rapatrier la production à Dijon dès l'an prochain pour poursuivre la grande aventure de l'escargot l'an 20.